Une première grande unité d'opposition rallie le camp du gouvernement syrien. Une première grande unité de l'armée syrienne libre dans la zone de désescalade sud rallie le camp du gouvernement syrien et va désormais combattre les terroristes dans les rangs de ce dernier, a annoncé le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit. Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit a affirmé vendredi que la première unité importante de l'armée syrienne libre s'était rangée du côté du gouvernement de Bachar el-Assad. Ainsi, le 22 juin, après des négociations entre des représentants du centre russe, les autorités syriennes et des combattants de l'armée syrienne libre dans la zone de désescalade sud, le chef de la grande unité Tadjamaa Alouia Al-Oumari, Wajdi Abou Sles, a annoncé le transfert du groupe dans le camp du gouvernement, est-il dit dans un communiqué du centre. Le chef de l'unité a promis que ses militaires allaient désormais lutter contre les djihadistes du front al-Nosra asterisque et Daesh asterisque dans le sud de la Syrie. En outre, le document a signalé que dans la soirée de vendredi, les troupes gouvernementales étaient entrées dans les localités de Dama et d'Al-Shia, situées également dans la zone de désescalade sud. Asterisque organisations terroristes interdites en Russie.